Ben, on est très heureux déjà, n'est-ce pas, mamie? Ouais. On est très heureux de participer à ce film parce que c'est un film qui parle de l'immigration clandestine. Et c'est un fléau, pas seulement sur ce continent, mais c'est un fléau qui est complètement mondial en fait. Et quand on nous a demandé plutôt de participer au film, ça a été un plaisir et une joie pour nous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui touche pratiquement tous les continents. Il n'y a pas que le continent africain. Aujourd'hui, par exemple, hier c'était la Syrie. On nous a parlé de 6 millions, aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés. L'immigration, elle peut être d'ordre climatique, mais également il y a les guerres. Vous avez vu par exemple pour la Syrie ce qui s'est produit. Donc c'est quelque chose qui peut arriver en fait à tout le monde. Ce n'est pas uniquement sur le continent africain que cela peut se produire. Et sur un rapport de la Banque mondiale, on parle de d'ici 2050, il y aura près de 216 millions d'immigrés. Ça sera des immigrés de guerre, mais surtout de climatique. Donc tout ça pour vous dire que l'immigration concerne beaucoup, beaucoup tous les continents et tout le monde est concerné. Dans ce film va permettre cette visibilité et c'est une très bonne chose. Donc nous invitons la population marocaine et à suivre effectivement ce film qui est d'une importance capitale en fait. Personne, je dis bien personne, ne décide d'être immigrant. Par exemple ici, on les appelle les Imagris, c'est ça? Oui, les Imagris. Ben, les Imagris, l'immigration, personne ne décide, ça tombe souvent sur les gens. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'on décide de faire comme ça. C'est des choses qui tombent sur nous souvent. On est victime de guerre. Souvent, c'est des victimes climatiques. Donc, c'est quelque chose dont on ne choisit pas de faire. Ça tombe sur nous et on est obligé de partir. Vous comprenez? Et par exemple, elle a joué le rôle qu'elle avait joué. Ça concerne la femme. C'est une femme qui, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça. Continue. Donc, non, elle va parler, va parler. Voilà. Donc le rôle qu'elle avait joué, c'est quelque chose qui parlera. En fait, c'est la femme qui a été violée. Voilà. Et toutes les souffrances, n'est-ce pas, toutes les souffrances que peuvent rencontrer la femme sur la route, le rôle que Mamie Diaw a joué, ça parle de ça. Ça parle de ça. Donc, le film touche un peu tout le parcours et toute la souffrance qu'il y a dans l'immigration, que les Imagris rencontrent en fait sur leur chemin. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des gens qui sont tués, Voilà. Donc, ça concerne toute la souffrance et ça parle non seulement de la femme, mais aussi des enfants, parce que dans le film, on a aussi, elle a sa fille qui sera dans le film aussi. Et tout ça pour vous dire que toute la population, tous les âges sont concernés par ce fléau. Et vous allez voir, il y a même une vieille dame qui est dans ce film. Une vieille dame de plus de 100 ans. Vous comprenez? Yeah. D'accord. Donc, pour vous dire que nous vous invitons, si je dois passer un message, c'est surtout ça aussi. Premièrement, nous remercions la population marocaine parce qu'elle a beaucoup contribué, n'est-ce pas, dans la réalisation de ce film. Et nous invitons tout le monde, n'est-ce pas, à venir suivre ce film. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا